profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Poupée. J'ai soigneusement réparé la robe du mannequin, veillant méticuleusement à ce qu'elle ne soit pas froissée. Puis je l'ai replacée avec délicatesse sur la vitrine. Chaque pli devait être parfait, car l'apparence du magasin dépendait de ses détails. Ma femme et moi tenions un petit magasin de vêtements spécialisé dans le style Lolita, une mode qu'elle adorait passionnément. Elle passait des heures à choisir les tissus, à dessiner des modèles et à organiser des événements pour les amateurs de ce style. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière, laissant un vide immense dans ma vie et dans notre boutique. Maintenant, je suis là, poursuivant son rêve pour elle, tentant de maintenir vivante cette passion qui l'animait tant. Alors que je terminais de disposer la robe, la cloche de la porte a retenti, interrompant mes pensées. Je me suis retourné pour voir ma cliente la plus précieuse, celle qui venait régulièrement et partageait avec ma femme cette même passion pour le style Lolita. « Bonjour, mademoiselle Alice !» J'ai souri à la jeune fille en fauteuil roulant. « Bonjour, Anthony, tu vas bien ?» Alice avait les mains croisées sur ses genoux et regardait autour d'elle, son regard se promenant sans vraiment se fixer sur quelque chose. Elle avait toujours cet air indifférent sur le visage, une expression qui ne la quittait jamais, comme un masque qu'elle portait en permanence. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vue sourire, même après toutes ces années de fréquentation. Elle semblait habitée par une mélancolie silencieuse, une tristesse que personne n'avait jamais réussi à percer. Elle ne parlait jamais. Anthony, son père, disait que c'était parce qu'elle était trop timide. Mais parfois je me demandais s'il n'y avait pas autre chose, un secret plus profond qui la retenait dans son silence. Elle portait une robe bleue, avec des froufrous au bout de la jupe et des manches bien gonflées, une tenue qui accentuait son apparence délicate. Ses cheveux noirs, soyeux et impeccablement lissés, lui tombaient jusqu'à la taille, encadrant son visage pâle et mystérieux. Deux nœuds blancs retenaient une partie de ses cheveux en arrière, ajoutant une touche d'innocence enfantine à son allure. À bien y réfléchir, elle ressemblait vraiment à une poupée, figée dans une posture gracieuse, immuable et énigmatique. Une énigme vivante que personne n'avait encore résolue. « Tu aimes celle-là, ma chérie ?» Il s'agenouilla, tirant la robe violette devant elle. Elle acquiesça, et il prit la robe à sa taille en la drapant sur son bras. Ils ont continué à faire les magasins et elle a gardé la tête baissée. Après environ 30 minutes, Anthony est venu avec 10 robes suspendues à son bras. « On te prend tout ça ?» J'ai commencé à préparer les tenues à la caisse quand soudain Anthony prit la parole, tout en agissant comme s'il avait eu une sorte de révélation. « Oh, j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture. Je reviens tout de suite. Ne bouge pas, Alice. » Il a commencé à se diriger vers la voiture, mais je l'ai un peu taquiné. « Oh, Anthony, tu as peur qu'elle s'enfuit ou quoi ?» Anthony m'a regardé d'un air las avant de laisser échapper un rire nerveux. « Non, bien sûr. J'en ai pour un instant. » Il a hésité et a regardé Alice. Je jure que cela m'a paru une éternité avant qu'il ne se détourne et ne se dirige enfin vers la sortie. Alors qu'il sortait du magasin, j'ai adouci mon regard vers elle et j'ai voulu dire quelque chose, mais je me suis retenu. Honnêtement, je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait dire. Ses yeux se sont finalement levés vers les miens et je lui ai souri gentiment. Mais il n'y avait pas de vie dans ses yeux. J'ai avalé ma salive et j'ai tenté ma chance. « Alice, es-tu heureuse à la maison ?» Elle ne répondit pas et j'attendis encore quelques instants, sachant qu'Anthony allait revenir d'un moment à l'autre. « Alice, est-ce que tu te sens en sécurité chez toi ?» Ses yeux se sont écarquillés soudainement, et j'y ai enfin vu un peu de vie pour la première fois,
Une étincelle d'émotion traversa son regard habituellement impassible. Son comportement a radicalement changé en un instant. Ses yeux étaient remplis de peur et ses lèvres se mirent à trembler. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette transformation, comme si elle avait été frappée par une terreur invisible. Je connaissais Alice depuis des années. Elle marchait, elle courait et elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. Elle parlait, elle rigolait, mais maintenant elle se tait. J'ai attendu, le cœur battant, qu'elle ouvre la bouche, espérant qu'elle rompe enfin le silence qui l'entourait depuis si longtemps. Ses lèvres encore tremblantes s'entr'ouvrirent lentement, et ce que je découvris me glaça le sang. Elle n'avait plus de langue.